Je m'appelle Camille. Emna. Omar Ismail. Je m'appelle Ambre Nataf et je suis responsable pédagogique de la structure Subbaro. Je m'appelle Michael Benilouche, je suis maître de conférence des universités et directeur des études de Subbaro. Cette année, avoir le barreau. D'avoir le CNFPA. Je vais avoir le barreau du premier coup. Subbaro, c'est une école qui prépare à l'examen d'entrée au CRFPA. C'est une prépa qui vous accompagne avant même votre préparation, pendant votre préparation et après l'obtention de votre examen. J'ai choisi Estival. Estival ? J'ai pris les deux. L'annuel, c'était pour envisager plus sereinement l'année et puis commencer à me préparer un peu plus tôt. Et l'estival, c'était pour continuer à m'entraîner. Des profs compétents, un rythme intéressant pour bien bosser efficacement, et la disponibilité des locaux et des professeurs. Alors, Subbaro propose plusieurs préparations. Une préparation annuelle ainsi qu'une préparation estivale. Vous pouvez combiner les deux dans un pack réussite. Subbaro propose également une préparation en présentiel ou une préparation à distance grâce à nos cours filmés. Parce qu'on me l'a conseillé. Parce que c'est la prépa de confiance et qu'on était beaucoup plus encadré que dans les autres prépas. Parce que j'ai entendu de bons échos et que je voulais vraiment le cadre très rigoureux en petit comité. J'ai créé Subbaro pour que les étudiants puissent réussir leur examen du CRFPA. Avant ça, j'ai travaillé dans beaucoup d'autres prépas. J'ai vu ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. J'ai pris le meilleur et j'essaie de faire réussir les étudiants de cette façon-là. Je dirais la qualité des intervenants qui vont être choisis parmi des universitaires ou des avocats. Et ensuite, je dirais, et c'est très important, la disponibilité des différents acteurs, à savoir tout l'encadrement pédagogique, les responsables pédagogiques, les enseignants ainsi que les correcteurs. L'humain. La plus-value, c'est nécessairement l'humain. On apprend à connaître nos étudiants, on les suit et derrière ça, on leur donne les armes pour qu'ils puissent réussir. Je dirais efficace. Rigoureux et surtout à l'écoute. Pédagogie, encadrement et soutien. Efficacité, compétence et rapidité. Confiance, pédagogie et réussite. Encadrement, disponibilité et qualité, bien sûr. Réussite. Le premier conseil consiste à bien fixer son calendrier de travail. Il faut savoir quand vous aurez du temps pour travailler, afin de choisir la bonne formule, celle qui vous ira et vous permettra de réussir. Deuxième conseil, il ne faut pas se disperser. Les supports pédagogiques de Subbaro sont exhaustifs et permettent de réussir l'examen. Enfin, le dernier conseil, c'est qu'il faut s'appuyer sur des gens sérieux et compétents. L'équipe d'encadrement de Subbaro est justement là pour ça. Ce sont des personnes qui sont aguerries, expérimentées et compétentes dans ce domaine et qui vous permettront de vous guider jusqu'à votre réussite. Eh bien, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail. Toute l'équipe sera ravie de répondre à vos interrogations et vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la prépa.